Alors bonjour à tous, c'est Rico Chris. On se retrouve aujourd'hui pour continuer cette carrière à Football Manager 2024 édition console avec Anderlecht. Match important aujourd'hui face à Malines qui est juste en dessous de nous. Donc les 3 points sont déjà essentiels. Nous étions sur une bonne série de victoires d'affilée. Il faut poursuivre cela. Voyons un peu Elios Cobo, un ancien de chez nous. Dame Foulon, ouais, qui avait un bon potentiel à une époque. Ça a bien changé. Islain Simani qui a joué chez nous l'an passé. Donc voilà, nous sommes partis. Qualala! Avec un bon 10 sur 15. Enfin bon. Par rapport au début de saison, oui. On va pas se plaindre. Alors qu'eux, ils sont sur un 9 sur 15. Donc ils ont vraiment juste en dessous de nous. C'est la différence de but qui nous sauve. Le RWDM a gagné son match. On fait match nul. Non, ils ont fait match nul, ils étaient à 18. Donc, ça nous permettrait de recoller face à un autre club bruxellois. Après, nous avons une trêve internationale, ce qui permettra à certains blessés de peut-être revenir à un peu centré. Et c'est Dreyer qui marque. Parfait, 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 parfait. Centre de hasard, c'est un peu confus. J'avoue que c'est un petit peu confus, mais le but est là. Et c'est bien tout ce qui compte. 1-0. Parfait, 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 parfait. Oh, hasard qui se fait de nouveau blesser. Il y avait longtemps. Mutsu, Théo Léoni, Verdi Awara qui a retrouvé une place de titulaire en l'absence de Delaney. Dreyer, oh Cook! Oh, Dreyer a failli mettre un doublé ici. Centre, mais c'est Marc Cook. Qui intercepte. Pour l'instant, le match est plutôt dominé par les mauvais blancs. Je crois qu'on peut le dire. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1 but à 0. Bah, on peut être content, on joue bien, on domine. Faut continuer comme ça. Je n'ai que ça à dire. Il a libéré, fait un bon petit match. On voit bien qu'il marque un petit but. Diawara récupère, Dreyer vers Vertonghen. Après, je regarde Yanouyaz en tant que capitaine. Il a libéré sur un assist de Léonie. Magnifique, parfait. C'est parfait tout ça. Quelques petits remplacements. Terminer le match en beauté, allez. Sardella est un peu fatigué, on va faire monter Patrice. On va faire monter Yanouyaz, évidemment. C'est Elie intérieur qu'il est, lui? Je sais plus. Elie intérieur, c'est bien ça. Je vais laisser comme ça. Je voulais faire monter encore un joueur, mais. Enfin, un petit peu laisser jouer. Faire les remplacements qui manquent. Voilà. Deuxième mi-temps a été plus remonté par Maline, mais nous avons tenu bon. 2-0. C'est parfait. Ce qui nous permet de reprendre temporairement la deuxième. La première place! Nous sommes premiers pour la première fois cette saison, temporairement. Saint-Trond et Gand peuvent toujours nous repasser devant. Il
Mais déjà, battre Maline, ça nous met un peu plus à notre aise. Et c'est très bien. On se retrouve pour le match Asclessin. Voilà, on se retrouve pour ce match Asclessin, sachant que le Standard est avant-dernier du championnat. Pas vraiment de retour, même si Dolberg est de retour. Mais, enfin oui, pas vraiment de retour, mais Dolberg est de retour. Merci, Captain Obvious. Mais il ne peut jouer que 45 minutes, à l'instar toujours de Vasquez. Donc, Valours. Hazard également de retour, lui pas de souci. La blessure a été guérie il y a 2 jours. Tout va bien. Donc, nous sommes partis pour écraser cette équipe du Standard. Il faut profiter. Ils sont très mal. Voilà, 5. Je crois que c'est les 5 premiers points qu'ils prenaient en plus sur 11 matchs. 5 points sur 11, sur 15. Alors que nous sommes sur une bonne série. 12 sur 15. L'équipe est peut-être enfin lancée. Vous voyez, le Standard est dernier avec Westerlo à un match en plus. Ce n'est pas le moment de donner l'occasion aux joueurs du Standard de regagner de la confiance. Alors, match assez calme pour le moment. Premier tir pour le Standard. Plus à mes joueurs. Il y a quelques joueurs issus de l'RP, donc ils savent la. Les différends que nous avons avec ces joueurs, avec cette équipe surtout. Le driver n'est pas bon. Si on demandait plus Troïkens, ce n'est pas bon. Mais je le dégage. Je savais que ça allait être une bêtise. Et ça passe à côté. Je crois que je vais devoir les engueuler à la mi-temps. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas bons. Hein. NDI est pas bon, Dreyer est pas bon, Struiken n'est pas bon. Ouais, Struiken, ça a bien remonté. C'est quoi ça? On peut quand même pas faire match nul ici contre ces crétins, qui sont derniers en plus. Diawara! Bon, il a tenté, il a tenté. Je crois qu'on va pas tarder à faire des remplacements parce que là. Occupé. On va faire monter Augustinsson parce que de la, NDI c'est pas ça du tout. On va faire monter Janouas parce que Dreyer n'est pas dans le match non plus. Voilà. Un coup de coin. Moi je veux la victoire. Sardella est pas bon non plus maintenant. Price, non, Smichel. Bon. La montée Dolberg. On va se contenter de ça pour le moment. Donne. Bien. Non, oui, Strikens récupère. Strikens, il a un peu bloqué. On garde le ballon, bien joué. Yanuyas, Dolberg! Non, Dolberg, Kasper! Blessé. On va monter Siske parce qu'on a besoin de vitesse offensive. Strikens, non! On va pas faire match nul ici, quoi. On va pas perdre notre bonne série de victoires contre le dernier du championnat, quoi. Bon.
Résultat très décevant. Nous ne reprenons pas la première place, nous restons à la troisième. Suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, nous nous retrouvons pour le match face à OHL. J'ai décidé de mettre Stroikens sur le banc pour privilégier Vasquez en pointe en attendant que Dolberg soit fit. Vasquez est fit. Il ne s'est pas suffisamment, ça c'est normal, il n'a pas joué depuis un moment. Par contre, toujours aucun lien ne se fait entre mes joueurs et ça m'inquiète. Mais bon, il faut oublier ce match nul à ce clé sain, prendre les 3 points immédiatement ici contre OHL. OHL qui est sur une série de 3 matchs sans être vaincu. Pourtant, ils ne sont qu'à la 12e place. Nous battre, gagner ici nous permettrait de reprendre temporairement la première place. Donc voilà, j'espère que Vasquez va apporter un petit côté offensif qui nous manquait. Enfin, même si Stroikens reste mon meilleur buteur, mais. Vasquez, penalty! Mais oui, bien sûr, penalty! Évidemment, penalty! Ah oui, Villa Libre sûrement pour son cinquième but. Dans les doigts, il l'avait. 1-0, cinquième but de Villa Libre. Bon, la valeur est passée à presque 20 millions. Faudra pas rater son transfert à lui. Allez. Vous avez échappé à ce Clessin. Ah, finalement, réussi ici. C'est-à-dire marquer les buts. C'est la base du football. Vertonghen, Yann Vertonghen, 2-0, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir, mais oui. Tac, parfait. Si vous aussi vous aimez quand dans les parcs de but, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et à nous rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. J'espère que vous aimez bien la petite vignette que j'ai faite. Je préférais la précédente avec le stade et tout, mais je dois admettre qu'elle est quand même sympa. Villa Libre pour un double, Villa Libre sur un assist de Luis Vasquez. Allez, ça c'est bien, comment? C'est parfait. Que voulez-vous que je dise? Je suis très content. C'est toute la réussite que nous n'avons pas eue à Sclessin qui ressort aujourd'hui. Pas encaisser maintenant, pas encaisser maintenant. Pas à la montée, les gars, pas à la montée. Nous n'avions pas encaissé le but depuis plusieurs matchs, c'est con ça. C'est toujours fantastique. Vertonghen, Vertonghen le doublé. Était-il hors jeu? Je ne pense pas. Non, doublé de Yann Vertonghen. Double assist de Vasquez, hein, c'est pas lui qui donnait le penalty également. Schmeichel, c'est pas pareil. Ouf, 4-2. Voilà, ceux qui s'extirpent. Voilà, n'est pas terrible. Voilà. On va faire les remplacements de Bastivatigué. On va faire monter Ritz. Et Yanuyaz. Voilà.
Et avec les buts encaissés, nous ne passons pas la première place, nous restons que deuxième. Ah non, c'est parce que Grand est en train de battre le standard. Putain, et nous on n'a pas battu le standard. Alors, on va faire monter Amuzu. Et Casper Dolberg. Comme ça, on peut un peu remettre du foot dans ses jambes. Parfait, 4 à 2. Wololo K2M, je disais justement que tu n'étais pas là. Et tu apparais. Tel un prince. Et voilà, donc on reprend temporairement la deuxième place en attendant de voir ce que va faire Saint-Tron. Et je vous dis à tout de suite pour le match de Coupe de Belgique. Voilà, nous sommes partis pour le match de Coupe. Comme vous voyez, j'ai fait quelques remplacements. Donc déjà, on va mettre le duo Vasquez-Dolberg comme en préparation. Villa Libre sera sur le banc pour le cas où. Yanoa titulaire, Tudor Mendel à la place de Léonie, Arnstadt à la place de Diawara de l'année. Augustinsson, Jorgensen et Patrice à la place de mes défenseurs habituels qui seront sur le banc. Voilà, histoire d'un peu faire tourner contre cette équipe de la Challenger Pro League. Yelvosen, titulaire évidemment. Ivormer aussi. Cette équipe qui est pas très bien pour l'instant, une seule victoire en 5 matchs. Tout le contraire de nous. Pour l'instant, le match est assez équilibré, même s'il y a une légère avance pour nous. Il y a Nuaz. Tenter d'attaquer Dolberg, ça n'est pas passé. Pour l'instant, Zult garde le ballon. Et Dolberg a cherché Vasquez vers Yanoas qui rendra Dolberg qui marque. C'est le premier but de Casper Dolberg sous son nouveau maillot. Son premier but officiel. Enfin. Casper Dolberg. Allez, ça, ça fait plaisir. Le duo Villa Libre et Dolberg pourra faire beaucoup de mal, je pense. Ouais, il faudrait marquer le deuxième, les gars, histoire d'être tranquille et en sécurité. Ah, il appelle Zanka. Notre ami. Mathias Jorgensen. Zanka, d'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est plutôt un match équilibré, même si on a beaucoup mieux tiré au but, vu qu'on a plus cadré nos balles. Faire monter Dreyer parce que Hazard est cuit. C'était pareil. Voilà. On va faire monter Vertonghen pour remplacer De Bast. Comme ça. De Bast peut aussi un peu se reposer. Christian Sart est fatigué. Il n'y a pas de souci. On va faire monter Diawara. Yanoas est fatigué. Allez. Il voulait être titulaire, mais il n'est pas capable de tenir tous un match. Yanoas, Yanoas, faut que tu reprennes ta condition, amigo.
Bon, ce sera une petite victoire. Après, c'était un club de Challenger Pro League. Donc, c'est pas non plus un match contre une P ou une nationale. Stroikens, voilà. Non, le but est annulé. Hors jeu et en coupe, c'est pas la VAR. Oh, c'est dommage pour Stroikens. Mais bon, le résultat est là. La victoire est au bout du match. Nous sommes qualifiés pour la suite de la Croquis Cup. Voyons, Louvain se qualifie, Gand se qualifie, Charleroi, Eupen. Malines éliminé par Dance, c'est une surprise. Le cercle, voilà. C'est déjà pas mal. Donc, nous allons nous arrêter là. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, come on you move!